Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Alors, cette semaine, direction un apiculteur. Oui, nous allons vous proposer de partir à la rencontre d'un apiculteur un petit peu hors du commun et ça, vous allez le découvrir. Rencontre aussi artistique avec le cousin de Georges Brassens et puis bien sûr, Ricoune qui nous présentera son nouveau spectacle qui va bientôt se dérouler et ça sera à Villeveyrac. Et puis bien sûr, l'événement qu'il ne fallait pas, qui était incontournable, c'était bien sûr la fête du management avec notre ami Chris. Mais pour le moment, je vous laisse place à l'image et je vous retrouve tout de suite après. La recette La Table de Seb vous est offerte par Esprit Cuisto, www.espritcuisto.com. Bonjour et bienvenue à La Table de Seb. Cette semaine, je vous propose de faire un rougail saucisse au barbecue dans cette magnifique cocotte d'espritcuisto.com et de la saucisse Térick Mouigné qui est charcutier et boucher dans le vieux village de Gruissan avec cette magnifique saucisse façon Toulouse. Pour ce rougail, il vous faut une dizaine de tomates, 1 kg de saucisse fraîche, du laurier, du romarin, de l'huile d'olive, 2 oignons doux de Sitou, de l'ail, du curcuma, du gingembre, du sel et du poivre et une cocotte qui va soit au four, soit comme là au barbecue. Épluchez et coupez les oignons de Sitou ainsi que 2 gousses d'ail. Coupez la saucisse en tronçons, morceaux de cette taille à peu près. Mettre la cocotte sur le feu, ajouter l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive, laissez chauffer et faites dorer la saucisse avec les oignons et l'ail. Coupez les tomates en 4 et les ajouter dans la cocotte. Ajoutez 2 feuilles de laurier. Et un morceau de romarin. Salé et poivré. Café de gingembre moulu et du curcuma. Ajoutez de l'eau. Et laisser cuire une demi-heure. Et voilà, le rougail saucisse est cuit. Il ne vous reste plus qu'à déguster. La recette La Table de Seb vous est offerte par Esprit Cuisto, www.espritcuisto.com. Que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. c'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Affle-le. Dispositif médical. Là, on a le dard qui est planté. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites rhumatisme, tout ce qui est rhumatisme. Le rhumatisme, et ça, les vieux, ils le faisaient autrefois, hein, c'était connu. Et le venin d'abeille reconstruit les gaines de myéline, reconstruit les nerfs. Là, on voit, ça coule. Et donc, notre. Ouais, mais ça, c'est fini, ça. Ouais. Voilà. Et donc, ça reconstruit les gaines de myéline. D'accord. Sur les articulations. Sur les nerfs. Sur les nerfs. Sur les nerfs. Et donc, grâce à ça, eh ben, on a des super résultats pour les scléroses en plaques, les Parkinson, toutes les maladies neurologiques. Et donc, notre chienne, elle a eu un accident. Donc, elle a eu le fémur cassé et le sciatique coupé. Et donc le veto, il disait peut-être qu'il faudra l'amputer, ainsi de suite. Et on l'a piqué avec des abeilles, donc maintenant elle le sent. Au début, elle sentait rien. Et oui, maintenant elle se méfie. Et le veto, il reconnaît qu'à chaque visite, eh bien, il y a les nerfs qui reviennent. Donc il dit maintenant, on peut envisager une autre option. Il y a amélioration. Oui, très nette. Et, alors, et ça s'appelle alors? Ça fait partie? Ça, c'est l'apipuncture. C'est l'apipuncture. Voilà, alors c'est encore, voilà, autre chose. C'est encore autre chose. C'est dans l'apithérapie. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même le risque d'allergie. Donc il faut le faire avec énormément de précautions. Voilà. Et l'un des problèmes, c'est que les gens, ils font n'importe quoi. Alain Mérite, quelle est ton activité? Je suis apiculteur et technicien apicole aussi, référent frelon aussi. Et entre autres, je suis maître de stage. Donc, tous les ans, je forme des jeunes qui deviennent apiculteurs. Ça, c'est bien. Et apithérapeute aussi. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut détailler rapidement les différentes zones d'activité, on va dire? Ben, maître de stage, je reçois les gens. Je leur fais découvrir l'apiculture, comment gérer une ruche, comment... faire de l'élevage de rennes, tout ça. Il y a toute cette partie. Voilà, ça, c'est la partie un peu simple. Par contre, la thérapie, tu peux nous en parler un peu plus profondément? Voilà, et donc la thérapie, c'est savoir utiliser les produits de la ruche pour se soigner. Et dans les produits de la ruche, on a ben, le miel, le pollen, le pain d'abeille, la propolis, la gelée royale, la cire, mais aussi le venin d'abeille. Mais il y a aussi des choses plus subtil, comme le bruit de l'abeille, qui peut être utilisé pour problème d'oreille. Et une fois, j'ai eu une dame qui était spécialisée dans ce domaine et qui disait exactement, il mettait des casques pour rééduquer l'oreille. Voilà, on a le bruit naturel. Pour ça, c'est tout simple. On prend des abeilles, on les met dans un sac. Il faut fermer le sac. Ça, c'est l'apiculteur qui le fait. Et après, on met les sacs contre l'oreille et il y a le bzzz qui vous rééduque l'oreille. Voilà, ben voyez, sur ces cadres, on s'aperçoit que les abeilles ont déposé la propolis. Donc la propolis, c'est une résine qui est fabriquée par les arbres pour protéger leurs bourgeons. Vous voyez ici la propolis. Et les abeilles vont récolter cette propolis pour, comme mastic, vous voyez là, les cadres ils sont bloqués. Ils sont collés. Ils sont collés, et pour désinfecter la ruche. Et à l'entrée de la ruche, les abeilles mettent cette propolis, d'où son nom, devant la cité, propolis. Et grâce à ça, elles font des sas pour désinfecter la ruche, pour éviter qu'il y ait des parasites qui rentrent et tout. Et donc je vais aller à l'essentiel. Pour nous, la propolis, c'est un produit qui est anesthésiant, cicatrisant, hémostatique, qui fait remonter le taux de globules rouges, qui est antibactérien, antiviral, qui va éliminer les vieilles cellules, les corps, les verrues et les cellules cancéreuses grâce à l'acide caféique qu'il y a dedans. C'est aussi un probiotique, c'est-à-dire que quand on le prend, ça va nettoyer la flore intestinale en enlevant les mauvaises bactéries et en renforçant les nouvelles. Voyez. et ça protège aussi de la radioactivité. Donc sur les bourgeons sont protégés par la radioactivité grâce à la propolis, et nous, on retrouve un produit qui nous protège de la radioactivité. Donc l'un des premiers consommateurs au monde, c'est le Japon. Bon, ils ont eu des problèmes qu'ils connaissent bien, qu'on connaît bien, et ils se soignent grâce à la propolis. Donc ça arrive ici. Après ici, on le garde à température de la ruche pour ne pas chauffer le miel. Parce que le miel, c'est un isolant, un accumulateur de chaleur. Et un combustible pour les abeilles. Donc si on a une ruche, si on a du miel qui refroidit, on va autant l'abîmer que si on le chauffait, les écarts température. Donc il faut le garder à température constante comme ça. D'accord. Et après j'ai un déshumidificateur pour travailler en air sec. Sinon le miel, c'est un produit lyophilisé, c'est très concentré le miel. Et donc si le miel repompe l'humidité, il se dilue. Il se dilue. Oui. Il se dilue là, donc je dis moins douteux. Oui, parce qu'il y a un rapport d'eau. Tenez, là on a un miel de... Je vais goûter. Ça, c'est un miel de gruyère blanche. Et pourquoi c'est important de garder la qualité de ce miel? C'est parce que lorsque les abeilles ont fabriqué le miel, à partir du nectar, elles ont incorporé des diastases. Et ce sont ces diastases qui vont agir quand on met le miel sur une plaie. Le miel sur une plaie, en présence de diastases qui est dans le miel, va nous donner de l'acide gluconique et de l'H2O2, de l'oxygéné, qui va désinfecter la ruche. L'acide gluconique est aussi un désinfectant, et l'excédent de glucose va vous nourrir les cellules directement. Donc on a des cicatrisations ou en cicatrice de 2 cm par jour. Georges, là, je viens de vous entendre chanter, c'est hallucinant. Moi, c'est Bruno. Alors, vous êtes de la famille de Georges Brassens? Oui, la mère de mon papa et la mère de Georges étaient sœurs. Donc, tous les deux étaient cousins au premier degré. On dit de cette situation qu'ils étaient cousins germains. Et donc, moi, je suis issu de cousins germains, donc au second degré. Et donc, vous chantez et vous avez repris une partie de son répertoire? Oui, une grosse partie de son répertoire. Alors on met des chansons connues, des chansons moins connues, des chansons qui, à notre goût, auraient dû rester un peu plus dans la mémoire collective. Donc au détour de tous nos concerts, on place certaines chansons qui nous plaisent, qu'on n'a pas envie que les gens oublient, quoi. Et puis je m'amuse à mettre des musiques également sur des textes inédits de Brassens. Donc depuis 35-36 ans qu'il est parti, quoi. Les textes maintenant inédits se font rares, mais on a quand même exploité pas mal de choses. Alors ce soir, vous jouez à Palavas pour une association caritative. C'est ça, ce soir c'est un concert de soutien à la RTC, qui est l'association de recherche sur les tumeurs cérébrales. Et bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous travaillons avec eux, donc les gens sont contents de retrouver Brassens à Palavas, donc on répond toujours présent. Alors parlez-moi de votre groupe, vous êtes trois, c'est ça? Nous sommes trois, donc c'est un trio que j'ai fondé avec d'autres musiciens il y a bien longtemps. Je crois que c'était en 2006, peut-être même avant. Et puis bon, les membres ont... J'avais commencé avec Claude Duguay qui malheureusement nous a quittés et Philippe est le guitariste, donc, qui est multi-instrumentiste comme vous avez pu le voir, joue de la guitare. De la guitare électrique, du banjo, de la mandoline, du ukulélé. Donc j'avais envie d'orchestrer davantage les musiques de Brassens qui se prêtent très bien à cet exercice. Donc ben, par le biais de Philippe, on a pu apporter de nouvelles couleurs aux mélodies de Brassens, à ses musiques. Et Laurent Klein à la contrebasse nous a rejoints également. Donc le parfait trio est désormais réuni. Naviguer en perpénal sur la grande mare des canards et s'appeler les copains d'abord, c'est fluctuant avec bergiture, c'était pas de la littérature, non des plaisos, jeteur de sort pour jeteur de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de pro, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, les petits castors et pollux, les gens le sol, mes copains, solom mes copains. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. Donc les amis de Brassens, et alors... Parfait, attention, hein, c'est pas... qu'on s'entende bien. Dans le sens trio à la façon Brassens, c'est ce que je veux dire. Oui, d'accord, c'est en toute modestie. Donc vous appelez les amis de Brassens, et où est-ce qu'on peut vous écouter, à part à Palavas? Alors ben, hier on a joué à 7, les prochains concerts ça va être au mois d'octobre, alors j'ai pas trop les lieux en tête, sinon il faut aller sur notre site internet qui s'appelle tout simplement lesamisdebrassens.com. Alors vous pourrez nous jouer quelque chose, il paraît que cette guitare a une histoire. Ah ben, pour moi oui, elle a une histoire particulière parce que mon cousin Brassens me l'a offerte. 2-3 ans avant sa mort, et chaque fois qu'il venait à 7, ben, c'était l'occasion de le rencontrer, il me demandait de lui montrer où j'en étais dans mes études guitaristiques, puisque j'étais au conservatoire de 7 où j'apprenais à l'époque la guitare classique. Et donc voilà, un jour il m'a offert cette guitare qui est le modèle Brassens, un modèle avec lequel il a joué pendant plus de 30 ans. Donc beaucoup d'émotions quand vous jouez avec? Ah oui, parce que d'abord personnellement beaucoup d'émotions, mais c'est surtout que le son Brassens ne s'obtient qu'avec cette guitare, ce type de guitare. Voilà. C'est un modèle qui a été spécialement conçu pour lui, pour sa sonorité. Alors sinon, vous avez un CD, c'est ça? Oui, ben là, dans ce CD... qui est le troisième opus qu'on sort. J'ai une nouvelle fois mis des musiques sur des inédites. Donc là, il y en a un. Il y a un inédit qui s'appelle Une ombre au tableau, qui est un texte qui était abouti de Brassens et qui m'a de suite accroché. Donc c'est un double CD, par contre, il y a une vingtaine de chansons. Et on retrouve bien sûr de grands standards, comme Les Copains d'abord, comme La Mauvaise Réputation, Le Gorille, avec des notes tarentelles à la mandoline, etc. Je pense que de là-haut, il doit être très content d'entendre ce que vous avez fait de ces choses. J'espère, je pense, oui, sans doute, mais j'espère ne jamais le trahir, c'est ça, surtout. On vous écoute. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lançaient les SOS. On aurait dit les sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un l'autre manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, quand dans l'autre se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, il n'est jamais viré de bord, et viré de bord. Naviguait en père pénal, sur la grande mare des canards, Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Mais c'est qu'ici c'est interdit de venir courir, hein. C'est un endroit privé qui appartient au salon et c'est vraiment, faut vraiment monter patte blanche pour rentrer ici et c'est vraiment un privilège incroyable d'être là, hein. Et courir sur le plat, c'est pas forcément facile ici, hein, parce que il y a vraiment un taux de sel qui est super élevé et donc attention à la déshydratation dans ces parties parce qu'on perd beaucoup de ces minéraux, c'est bizarre mais c'est comme ça. Allez. Tu vas mettre le feu comme d'habitude à la feria. Ben oui, et surtout que là, il fait assez chaud, alors donc, je pense qu'il n'y aura pas besoin de trop forcer pour les enflammer. Donc est-ce que tu vas nous chanter ton répertoire habituel ou il y a du nouveau? Alors il y a du nouveau, je vais chanter les chansons de mon nouveau spectacle, autour de Marcel. Et puis après on va enchaîner sur les morceaux que tout le monde connaît, un peu plus festifs et qui mettent l'ambiance, quoi. Voilà. Alors parle-nous-en de ton nouveau spectacle. Alors autour de Marcel, c'est un spectacle que j'ai écrit avec Émilie, mon assistante, l'hiver dernier. Et donc ça parle un peu de Marcel Pagnol. Elle m'a dit toutes les chansons que tu fais sont assez pagnolesques. Donc il faudrait peut-être faire intervenir Pagnol dans le scénario. Et donc c'est ma voix de conscience et c'est lui qui me pousse à composer, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'amène toutes les chansons à travers des textes et des imitations, des sketchs qu'on a écrits. Voilà. Alors où est-ce qu'on va pouvoir le voir, ce nouveau spectacle? Alors je me produis le 13 octobre à Villeveyrac, dans la salle des fêtes. Puis les 1 et 2 décembre au théâtre Samuel Bassager à Mougins. Puis après je fais une date le 15 décembre à Cers, à côté de Béziers. Et le 8 février je suis programmé à la salle bleue de Palavas. Alors rassure-moi, on va quand même rire et faire la fête quand tu chantes. Non, mais j'enlève tout ce côté un peu festif que j'avais mis, que tout le monde connaît. Je suis que Ricoune, un simple troubadour, je connais toutes les routes autour du tour de Pixalou avec mon accent. Des 4 coins du Guinée, je vous mettrai les coins, et moi sur les îles. Et c'est dit différemment, mais bon voilà, je peux pas en dire plus. Il y a des chansons comme Le Petit Verre à Ballon, c'est par exemple une chanson que je raconte en faisant des imitations de Gabin, Bourville, Fernandel, tout ça, voilà. Ah d'accord, c'est original, ouais. D'accord, donc il me tarde le 18 octobre alors, voilà. On viendra te voir et te... Le 13 octobre à Villeveyrac, voilà. C'est la vie qu'on aime, toi qui viens de la Bretagne avec ton petit bâton, si tu contournes l'Espagne, oh et matelot. Je suis sûr qu'elle va te plaire, la mer Méditerranée, on est loin de la tempête et du raz de marée. Christophe, aujourd'hui c'est la fête du management. Alors en quoi ça consiste? Alors la fête du management, en réalité, c'est né il y a un an d'un constat assez simple, c'est que beaucoup de managers que nous rencontrions en formation nous faisaient part de leur impression négative du management, c'est-à-dire qu'ils subissaient les burn-out, la pression, la difficulté de manager les nouvelles générations, et il y avait beaucoup de négatifs. Et nous on s'est dit mais c'est pas normal, le management ça peut pas être que négatif, il y a aussi beaucoup de positifs dans le management. Donc on a voulu créer une fête pour partager les moments positifs et les actions positives du management. Voilà. Véronique, donc vous faites partie des organisateurs de la fête du management aujourd'hui. Oui, effectivement, nous faisons partie du réseau Impulsion Consulting. Nous sommes 3 ici dans l'Hérault et nous avons organisé cette fête, cette première ici à l'espace entreprise pour le département de l'Hérault. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, il y aura des tables rondes, il y aura du forum, il y aura des interviews avec des chefs d'entreprise, il y aura également une conférence et un grand jeu qui sera fait au niveau national, c'est-à-dire que en même temps, nous allons jouer en même temps et il y aura un gagnant régional et un gagnant national sur des questions de management. Alors, tu fais partie de la troupe des organisateurs de ce bel événement aujourd'hui sur Montpellier. Donc, on a vu que tu étais, toi, plus spécialisé sur le jeu. Oui, c'est vrai, mais parce que j'ai une petite expérience. J'ai travaillé dans le groupe Econocom, qui est une société informatique, où il y avait pas mal de team building sur le jeu ou serious game. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien le côté ludique. Donc ça doit être quand même compliqué puisque c'est organisé en même temps dans les autres fêtes du management qui se passent dans toute la France. C'est ça. En fait, il y a un timing, mais en fait, le tout, c'est de finir le jeu à la bonne heure. qu'on puisse jouer tous ensemble à midi et demi. Voilà. Après, c'est ce type de jeu, on les utilise, on a plusieurs modules avec le réseau Impulsion, qui sont des modules en ludopédagogie. Donc c'est apprendre le management par le jeu, ce qui permet à certains, notamment managers, on va dire, techniques ou terrain, qui n'ont pas l'habitude d'être longtemps assis, d'être plus intéressés, motivés pour faire une formation en management, puisque là ils jouent, ils ont des dés, des points. Il y a le côté compétition à la Jacques-Martin, bien sûr, mais qui les motive un petit peu. Donc, d'après vous, on a un problème, c'est pas le mot, mais d'après vous, le niveau d'engagement en France n'est pas extraordinaire. Alors moi, j'ai pas de pourcentage, mais je me dis, je pense qu'on est mieux placé en Europe, en termes de passionnés, voilà. Les mieux placés en Europe. Voilà, je pense que en France, on peut trouver beaucoup plus de travailleurs passionnés, mais c'est qu'une sensation. Donc j'ai pas de taux, mais j'ai plus une impression. Ça a vendu, ça a vendu, c'est bien de... Valérie, qu'est-ce que vous attendez de cette journée fête du management? Pourquoi votre présence aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, je suis venue avec quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Christelle pour pouvoir partager et échanger sur cette belle question, ce beau thématique qui est le management en entreprise aujourd'hui, pouvoir échanger sur ce qui se fait, sur ce qui marche et ce qui peut être innovant sur ces pratiques managériales. L'idée est surtout le management bienveillant, et c'est vrai que en général il faut arriver à avoir plus de proximité et plus de bienveillance, que ce soit dans le management, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit un peu partout. C'est pour ça qu'à titre personnel, on fait le Club LR, qui permet justement de passer des bons moments ensemble, parce qu'on réussit que si on est bien. Voilà. Pascal, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée de fête du management ? Ah ben écoutez, pour moi, je suis un peu de l'autre côté de la barrière, parce que j'interviens, donc je vais faire partager une expérience que j'ai au niveau du groupe Econocom, qui est un groupe de 11 000 personnes, et puis partager un moment de vie. C'est un moment de vie professionnel, bien évidemment, mais si je peux apporter au groupe les clés du succès, de ce qu'a pu faire mon succès aujourd'hui à l'intérieur du groupe, et du groupe Econocom, c'est avec grand plaisir. Donc, pour un management positif, format talent. Et bien voilà, PTV de Mag, c'est déjà fini. Et oui, on se retrouve vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Et croyez-moi, ça va bouger. Surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Et moi, je vous donne rendez-vous quelque part ailleurs en Occitanie. Salut, bye.